Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Boto07. Alors cette vidéo est particulière puisque je fais dédicace à mon meilleur ami Lulu.c. Alors j'espère que cette vidéo, tu vas te marrer Lulu.c. Alors vous avez rien loupé, hein. C'est juste que je suis sorti de Zurich il y a déjà très longtemps. Donc je pense que je vais pouvoir filmer l'arrivée. Hein, je vous ai fait louper le début. Juste pour que vous disiez la dernière partie. Alors il m'est arrivé un truc incroyable. J'étais dans Lyon comme ça. Et c'était sur une autre session. Hein. Je me baladais comme ça et je rentrais dans les. J'allais dans les parkings et j'allais rentrer dans les voitures. Voilà, je mets un peu la panique. Et après, il y avait un télépéage pour aller vers Genève. Et je me suis. Et au lieu de foncer dans la barrière du télépéage comme je faisais d'habitude. Eh bien, j'ai foncé dans deux voitures qui étaient juste devant moi. J'étais dans cette vue, exactement cette vue, hein, la vue de derrière. Et là, je suis rentré dans les deux voitures. Alors, les deux voitures, forcément, elles sont complètement renversées, elles sont tournées à l'envers. Oh, je t'ai bousculé la voiture, elle a pas pu me doubler. J'espère que tu te marres, hein, Lulu. Point. C'est cette vidéo qui est spécialement pour toi. Donc, j'espère qu'elle te plaira. Oui, voilà. Donc les deux voitures complètement renversées. Et là, à l'avant du camion, il n'y a plus les roues. Les roues, elles y sont plus. Les roues, elles n'y sont plus. Les roues, elles n'y sont plus. Alors là, j'ai fait une connerie, donc je repasse en vue. En vue intérieure. Et donc les roues, elles y sont plus. L'avant du camion, il n'y a plus les roues. Et en plus, la remorque s'est détachée. La remorque s'est complètement détachée. La remorque s'est détachée. Et donc, du coup, voilà. Du coup, je transportais deux tracteurs. Et voilà, donc du coup, voilà, j'étais transporté directement à Genève. J'ai cru que le camion ne marchait pas, j'ai cru qu'on pouvait même pas avoir l'arrivée. Eh ben si, on l'aura l'arrivée. Mince, je suis en train de rentrer dans les voitures. Oh my goodness. Oh, vas-y, on le rentre dedans. Je suis dans les airs, les amis. I believe I can fly. Non, mais arrête, je suis monté sur les voitures. Je suis en train de les écraser. Mais poussez-vous. Poussez-vous si vous voulez pas que je vous écrase encore plus. Non, mais sérieux. Bon, je vais donner un coup de klaxon. Ah, le klaxon, ça n'y change rien. Bon, ben vous savez ce qu'on va faire. On va monter le son à fond. Eh bien, le son, on veut même pas monter. Normal, j'ai pas appuyé sur la bonne touche. Monte, espèce de son. Ouah, ça bug. Ça bug, les amis. Oh, oh, oh. Le klaxon, il bug, il ne veut pas s'arrêter. Tandis que mon camion ne veut pas rouler. Je vais me mettre en marche arrière pour éviter la catastrophe, puisqu'il y a une file de voitures devant moi. J'ai débloqué le bug. Tandis qu'il y a une file de voitures devant moi, je suis obligé de bousculer les voitures qu'il y a devant moi. Sinon, je ne peux pas passer. Et comme je me suis encore trompé, je n'ai pas tourné où il fallait. Du coup, il faut réparer sa bêtise. On rentre dans tout le monde, mais c'est pas grave, on s'en tape complètement. Alors maintenant, on va visionner le GPS parce que je parie qu'on va encore tourner au mauvais endroit. Non, c'est bon. Ok, j'ai mis les feux, même le jour. Ça, c'est pour que vous voyez mieux la route. Alors lui, on va carrément lui foncer dedans. Allez, ping! Allez, on se fait plaisir, les amis. Go! J'ai cru que je m'étais encore trompé. Ah! Que s'est-il passé avec la caméra?
Donc Lulu, cette vidéo est spécialement pour toi. Et je le répète encore. Parce que c'est vrai que tu as bien été impatient de la voir. Mais t'inquiète pas, je pense qu'il y en a une qui sortira demain et puis mercredi normalement. Tu dois venir faire un... Tu dois venir faire une partie, faire une découverte de ce jeu. Alors on va ralentir un peu parce que je sens qu'on va trop vite. Ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors. Meunier, t'es surtout très mal appliqué. Tu t'es très mal appliqué. Voilà, le passage piéton. On lui a coupé la route. Mais en même temps, j'ai pas pu faire mieux. Bon, allez, dégage ta tronche. Mais bouge! Punaise. Heureusement que je suis là pour donner un peu de la voix. Ah, de la voix, il faut crier. Allez, camion, vas-tu démarrer? Allez. Les gars, vous savez ce qu'on va faire? On va faire une petite marche arrière. En général, dès que je fais une marche arrière, il se remet à marcher. C'est ce qu'on va voir. C'est sûr que si j'appuie pas sur Z, ça ne risque pas d'accélérer, hein, mais bon. Mais je me suis pas trompé, hein, c'est après. C'est après que je me suis trompé. Ah, ne fonce pas sur le trottoir, ne décanille pas le poteau. Et c'est malheureusement ce qui va se passer. Ah non, c'est bon. Et si le poteau, on le décanille, c'est bon, le poteau est tombé. Et oh, l'autre, il me coupe la route, cet idiot, quoi. On va se faire une petite partie de plaisir, comme la vidéo aura été plus courte que prévu, on va rentrer dans tout le monde. Non, mais le mec, il est même pas décidé de freiner quand il me voit arriver en face de sa tronche. Non, mais quand tu vois une voiture en face de toi, la première chose que tu fais, c'est esquiver, éviter, freiner ou tourner. Non, mais le mec, il me fonce encore plus dedans que moi, je lui ai foncé dedans. Allez, la mini blanche, on la défonce. Hein, les voitures sont quand même très belles. Là, c'est une Mégane. Oh, la Mégane, on te défonce. Allez, la Mégane, tu fais demi-tour, s'il te plaît. Mince! Et à cause de toutes ces conneries, j'ai loupé l'entrée au garage. Du coup, faut faire demi-tour. Bing! Oh, j'ai failli rentrer dans le poteau. C'est pas failli, en fait. J'ai évité un poteau sur deux. Parce que là, je me suis pris le feu, là. Ok, d'accord, maintenant c'est la marche arrière qui ne marche même plus, allez. Ah si, la marche arrière se réveille. Et encore la caméra qui déconne. Titic, allez, accident, c'est pas grave, on perd encore du fric. Mais du fric, on en a tellement qu'on ressemble à Bernard Tapie. Non, je déconne. Alors, les amis, il faut consulter le GPS parce que là, j'y comprends plus rien. Tourne! Putain, mais je peux même pas te tourner à cause de ces idiots. Malotru. Mal barré, va. On s'en fiche, je leur recule dedans. Hein. Ils veulent pas se bouger, je leur recule dedans. Non, mais c'est pas grave, la mini va voir ailleurs si j'y suis. Allez, on a trouvé l'entrée. On braque à fond pendant que la mini grise a essayé de reculer. Mais ce n'est pas grave puisqu'elle n'a pas reculé. 9 minutes 24. Oh, c'est pas mal ça, les amis. Oh non. Si le camion s'arrête juste avant de stationner, alors là, c'est pas normal, les amis. Je suis obligé de mettre la main sur le côté. Excusez-moi, mais sinon, il n'y a pas les feux. Et sinon, vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a devant vous. J'essaie quand même d'apporter un peu de visibilité. Je regarde dans mon rétro.
et je stationne super bien comme il faut. Enfin, il manque des détails. Là, 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 droit, 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 parfait. Et on n'a plus qu'à reculer en marche arrière, droit, 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 sans braquer le volant. Bang! Parfait! Et on appuie sur entrée et la mission est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle t'aura plu, Lulu. Et à plus. À plus, les amis. Et puis on se quitte sur cette belle musique. Voilà. À Genève. On est bien. Et à plus pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Allez, portez-vous bien. Salut. Abonnez-vous. Allez, salut.